Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il aura appelé ou même on continue à lire jusqu'au verset 22. On va le connaître qui s'est passé et son histoire, on connaît très bien. À soi, bien-aimé, nous t'aimerions partager avec vous une parole qui sortit dans le livre ça. Et titre n'a pas gagné pour méditation à soi. Hein, c'est suivre Jésus sur la voie de l'intégrité. Suivre Jésus sur la voie de l'intégrité. Suivre Christ sous route intégrité. Livre Job Blanc, c'est un livre moins remet en pile, personnellement. D'abord, c'est un livre qui gagne pile sagesse là-dedans. Et c'est un livre qui baille quelques réponses à questions souffrance dans la vie moune qui a marché avec bon Dieu. Ensuite, moi, j'aimais livre ça parce que il racontait l'histoire d'un homme qui est résilient, d'un homme qui gagne persévérance dans l'adversité, dans l'épreuve. Job, pas un ange. Souffrance, c'est réel, il a des conséquences dans la ville. Et par moments, Job, t'es même qu'on posait bon Dieu gros questions. Mais malgré toute bagaille, il n'est pas jamais viré d'ol by bon Dieu. Comme en général, nous habitués à trois premiers chapitres dans le livre Job là, avant de rentrer dans le passage nous saute lié à bien-aimé, moi t'aimerais prendre un petit temps pour me rappeler nous qui ça nous joint dans le reste livre là qui gagne la donne 42 chapitres. Livre Job là, j'en connais le peut-être, c'est une série de conversations entre Job avec Madame Lee et puis avec 300 000 Tégéens, 300 000 qui étaient vinouels après toute calamité. Nous connaissons tes fins tombées sous lit. Selon Zami Jobio, tout malheur qui rivait Jobio, alors rapidement nous connaissons qui malheur qui rivait Job. Pendant le rite consacré, mon premier serviteur qui vient joindre lui, il vient dire, ah ben nous t'es en côté pendant Timoni au tap manger au tap boire, une série moun qui débarquait, yo passé tout moun au fil de l'épée, tout Timoni au mouri. Bon l'autre serviteur qui vient peu de temps après, lui dit nous t'es en côté. Nous t'a prend soin bête yo et puis gon vent qui vini li détruit toute bagaille c'est seulement que chapé pour me vinn là. Donc c'est une série de calamités, c'est une série d'épreuves qui vini dans vie Job. Li perdu tout bien, petite li yo mouri. Li tombé malade et tellement malade grave, moun pa vle rete dans entourage li. Et zanmi yo pral vinn wè Job pour yo vinn consoler. Et c'est dans vin consoler Job, yo pral commencer expliquer Job, mais gon bagay nou pas comprendre. Si tout bagay ça au rivaux, c'est sûrement parce qu'on fait un bagay qui mal ou payé. Qui donc bien-aimé, tout livre Job blanc a présenté gros discussion entre Job et Zamilio. Des fois discussion yo kon même gen ti jou et là dans yo parce que Job man en opposition côté là de Zamilio, moi connais qui est moyen. Moi connais qui marche moi gagner avec bon Dieu. M pa prend ça nan men nou, question c'est ça me fait ma paye, m pa prend. Et nan débat en disant miyo qu'on gagner ti jouré, j'aime dou là soit pli Job à partir de chapitre 22 à 30 jusqu'à ce que Job pral parler avec bon Dieu, ou prend nous compte que c'est gros débat qui gagne entre monsieur yo. En réalité, zami Job yo yo te reprendre yon l'idée qui était très populaire dans l'époque yo wa. Ki l'idée liée, en ben selon l'idée ça, de pou wè yon moun ap soufri, c'est payer la payer pour ça l'était fait qui mal. Si moun nan fait bien, selon zanmi Job yo, tout à fait l'ap toujours marché bien. Et journée jodi a bien-aimé, l'idée ça li rete yon l'idée qui très populaire nan tan ap vive là. Li ka prend plusieurs formes. Et selon yon nan forme l'idée ça, ou pas capable chrétien ou ap marcher avec Christ. Pour nos souffrances. Selon l'idée ça, ou pas qu'un chrétien ou marcher avec Christ pour malade, ou bien
pour afor pas bien marcher. Si bagay sa au rivaux, c'est parce qu'on manquait la foi. Si bagay sa au rivaux, c'est parce qu'on péchait. Si bagay sa au rivaux, c'est parce que au besoin repenti, ou font bagay pour payer. Eh bien, qui t'aime d'où, bien aimé, livre Job là, c'est exactement antithèse, ou bien opposé de l'idée ça. Bon, paquet l'autre passage, qui parlait de questions souffrance dans la vie du chrétien. Mais livre Job là, pour contre lui, c'est une antithèse complète de l'idée, sous gon moun kap souffri, sous fait face à adversité, c'est parce qu'au fond bagay ou ap paye. Pas grand rien qui capi loin de la vérité biblique. Que ça, bien-aimé. En nous gardant le premier verset, yo, ensemble encore. La parole de Dieu nous dit, il y avait dans ce pays 12 un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait beaucoup de biens, etc. Le wapli premier verset, yo, gagne deux bagailles essentielles nous apprendre sous Job. Premièrement, bien-aimé, nous apprendre que Job, c'était un homme intègre. Et il y a quelques versions qui même présentent l'île, tant qu'il y a un homme complètement intègre ou d'une complète intégrité. C'est nous dans la Bible, le terme intégrité en hébreu, il traduit l'idée de complétude, l'idée de perfection, de sincérité, de rigueur. Dans le Nouveau Testament, il traduit l'idée d'honnêteté. C'est... Souvelez, yon moun que la Bible les intègre, c'est yon moun qui gagne yon conduite sans reproche. C'est yon moun qui marchait droite dans toute sa la fait. C'est pas yon moun qui a cherché tromper moun. C'est pas yon moun qui a cherché prendre avantage sous moun. C'est yon moun, bon Dieu prend plaisir dans lui. La Bible donc présentait Job, premièrement, comme yon homme intègre. Deuxième bagaille, m'ta remè attirer attention sous lui, dans présentation, la Bible fait de Job là. Nous apprendre que Job était un homme riche. C'était un homme même très riche. Il était possédé en pile bien. Il était grand pile moun au service li. C'est comme si m'ta dit ou, la Bible dit nous, mais un homme qui riche, mais qui intègre en même temps. M'a bien comprendre que ou capable riche et intègre, ou capable riche et jouit d'une bonne réputation. Richesse et intégrité pas opposées. Pour moun qui t'a vle quoi, si pour riche ou obligé corrompu, si pour riche ou obligé dans sac pas ça, la Bible claire sous point ça, oui, il est possible pour yon moun riche, pour intègre en même temps. Mais gon l'autre aspect, on l'autre bagaille, le wap li sous caractère Job, wap comprendre. À chaque fois la Bible parlait de l'intégrité de Job bien-aimé, li associé intégrité à avec la crainte de Dieu et le refus de faire ce qui est mal. Bon, moi, prends ça parce que c'est très important. Chaque fois la Bible présente Job, qu'on lit dans le premier chapitre-là, le Satan fait première intervention devant bon Dieu. Qu'on lit dans le deuxième chapitre-là, le bras font l'autre intervention encore devant bon Dieu. Ou après, bon Dieu présente Job, tant qu'on est un homme qui intègre. Et tout de suite, après intégrité, il dit Job, c'est un homme qui craint bon Dieu. Mais comprendre que intégrité, il vient avec la crainte de Dieu. L'important pour moi, attirer attention nous sous ça. La crainte de Dieu, ça veut dire dans la vie Job, bon Dieu fait autorité. Il était tellement gagnant révérence pour bon Dieu. Il était tellement gagnant admiration à qui ont respect pour bon Dieu que la ville t'est gagnant yon repère. La ville t'est gagnant soc. La ville, li pas tant kou yon bateau côté vent voyer l'aller. Yon bateau qui sous de l'eau cap naviguer, non. Vous venez comprendre que pour yon monde vivre avec intégrité n'a pas les là, faut qu'on gon sorte dans la vie ou. Faut qu'on gon autorité dans la vie ou. Soit vivre ou pas gagner qu'un bébé ou pas gagner repère. À mon praler au gré du vent. Ou ton conti bateau qui sous l'âme l'en mer, côté l'âme yo voyo, c'est l'or aller. Si nous devons faire une parenthèse par rapport à ce qui a passé dans le monde là, ou comprendre yon nan gros problème monde dans gagner son problème de repère. Monde là pas gagner boussole. Monde là pas gain valeur, monde là pas gain autorité. Jodiyan, yo décidé ces directions ça yo pralé. Après demain yo décidé yo pralé dans la direction opposée parce que pas gain aucun bagaille qui attaché yo vraiment. Là pas gain aucun soc ou pas gain aucune autorité dans la vie ou. On bagaille qui dépasse ou,
on baga ou accroché avec elle, eh bien, il est très difficile pour gagner intégrité. Parce que ça ou te considéré comme valeur, yé yo, demain si Dieu veut, yo ka changé. Par contre, sou réaliser à qui vitesse société autour de nous a changé. Donc, la parole de Dieu a parlé de l'intégrité, bien-aimé. Il toujours fait référence avec la crainte de Dieu. Ça fait moi-même dans Psaume 110, verset 11, moi quoi la parole de Dieu dit à travers la bouche du psalmiste. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Son monde, vous voulez marcher avec intégrité. Faut qu'on ait autorité dans vous. Bah, qu'on ait un si grand monde qui pas contre mon Dieu. Bah, qu'on qui sa autorité, ça y est pour vous. Bah, qu'on qui sa qui valeur, qui baille vos repères, qui valeur, qui oriente la vie. Ou. Mais pour nous-mêmes, chrétiens, autorité dans vie, nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça que fait, c'est à la parole de Dieu nous accrocher nous. C'est la parole de Dieu qui dit nous, qui direction pour vie nous prend. C'est la parole de Dieu qui dit nous, qui côté pour nous aller. Et c'est ça que fait tout. Le monde là a vacillé, il a pris une direction opposée à chaque fois. Nous-mêmes, monde pas Christio, nous camper ferme parce que nous gain socle. Nous camper ferme parce que nous gain on côté nous repérer nous. La parole de Dieu présentait Job comme un homme intègre. Qu'on est sous besoin gain niveau d'intégrité pour marcher dans l'intégrité. Faut qu'on gagne cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est lui qui préservait au compte de bagaille. Parce que tentation a vini. Des bagailles où t'es qu'à faire route crochue. Et m'braldou, l'on fait route crochue, li gagne de conséquences parce que le calamité pral vini kounia, li pral très facile pour penser c'est à cause route crochue t'es fait, qui fait calamité vini. C'est ça que fait Job qu'a campé devant un milieu avec assurance pour le dire, moi-même, moi, qu'on est sacré, vivement là, m'pas responsable la donne. Bon Dieu, quitte le rivé, même pas prendre ça et ça, parce que m'te marché avec bon Dieu en toute intégrité. Marcher avec intégrité, bien-aimé, c'est le tout monde autour de ou a fait ou de crochet. Le tout monde a pris un raccourci. Ou même aurait été ferme dans la ligne droite. Ou été ferme dans la ligne droite. L'on dans la ligne droite, là, l'on intègre ou a marché avec bon Dieu, pas fait corps sauter. Pas fait corps sauter, pas quittant rien, garder, retirer paix, bon Dieu, baouan. Parce qu'on connaît, ou marcher main dans la main avec le Seigneur. Ou marcher main dans la main avec, mais tout. T'es à mettre chaviré, gros de l'eau mettre levé, vent mettre soufflé, ou rester ferme parce qu'on sur le roc solide. C'est une conséquence positive, l'on marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Raison qui fait Job t'es qu'à camper avec un milieu, devant un milieu, pendant dans 42 chapitres. Puis fort, livre Job blanc, c'est discussion. Job a dit, monsieur, ça n'a pas dit, non là, il n'est pas passé. Parce que moi, qu'on est qui est-ce m'a servi. Moi, qu'on est dans qui est-ce moi quoi. Et moi, qu'on est qui relation m'a gagné avec nom ça m'a quoi. Je ne peux pas quitter nos vies, virer l'horloge moi. Bon Dieu, grand monde, il fait ça le vle. Je ne peux pas discuter à bon Dieu. Mais ça qu'a privé maintenant, m'a pour rien la donne. Me songer l'aime petit monde. Un bon exemple de monde qu'a vive tant qu'au bateau qui sous de l'eau. Le yo pas connait côté yo garde. L'œuvre bagaille yo viré tout, monde qui pas vive dans l'intégrité, monde qui fait ti route crochu. Me songer l'aime petit monde. Moi t'es qu'on monter cap, par contre si nous connaît ça ou les monter cap. Si on dit kite ou bien cerf-volant, souvle, l'on monte cap, nan matin, ou supposé positionner dans yon direction. Cependant, nan après-midi, ou obligé changer position parce que nan monte cap la, gen sa nou rele vent viré. Vent viré a, li vin koun ya un thème politique. Mais l'homme te timoun, mou pas de kon sa vent viré te vle di, sinon que pendant map monte cap, à partir de 2h, 2h30, comme ça, vent et qu'on souffle non direction. En même après-midi, il peut commencer à souffler non direction opposée. Dans condition ça, sous besoin qu'à pour prendre vent, sous besoin cerveau lentement, mon lit monter, ou obligé changer direction. On dit qu'il rapport ça gagne avec la vie Job. Eh bien, en quel rapport, justement?
parce que la vie Job c'était opposé de situation sous décrit là. Job t'as pas t'as marché avec bon Dieu parce que il était riche et toute bagaille t'as marché bien en ville. Job pas qu'un des pieds bon Dieu parce que il t'a gagné tout petit mounio bien lio t'as prospéré. Job pas t'as marché avec bon Dieu parce que santé il était en forme toute bagaille était bien. Et c'est ça que fait puis gros mot qui caractérise Job dans la Bible c'est intégrité. Bien aimé qu'on est c'est yon bagay pour servir bon Dieu, pour kembe pied bon Dieu, le tout bagay a marché bien. Mais son l'autre bagay, pour kembe pied bon Dieu, le bagay yon difficile. Même si, ou pas ta considéré aucun l'autre texte dans Bible, ni dans l'Ancien Testament, ou bien dans le Nouveau Testament, livre Job là pour contre lui montrer nous, ou gen doit marcher droit avec bon Dieu, ou gen doit dans une relation sincère et authentique. Mais malgré ça, ou fait face à qu'épreuve. Et des fois, épreuve qui pi terrible, qui jamais rivé dans vie au monde. D'ailleurs, laissez-moi dire, bien-aimé, ou pour qu'on connaît degré intégrité ou bien degré fidélité dans marche ou avec bon Dieu, sous pas jamais fait face à l'adversité. Y a un monde qui a dit le chrétien, mais tant qu'intégrité le pour qu'on teste, il pour qu'on connaît côté le fin campé dans la foi. Il pour qu'on connaît s'il vraiment mine business. Mais oui. Par contre, sou konnen ça, gen chrétien qui pa fin min business. M'étendé un prédicateur on fois qui t'a dit gen chrétien c'est chrétien tablette chocolat yoyé. Alors chrétien tablette chocolat c'est chrétien ça ou doit toujours mettre le dans bon température. Depuis le prend un petit chalet li fond. Bien-aimé, marcher dans l'intégrité avec le Seigneur Jésus, c'est on marche qui fait ni le sa bon ni le sa pas bon. Pas quitter aucun ennemi, pas quitter moun vin jouer dans l'esprit ou faut comprendre soit fait face à problème c'est parce qu'on te font bagaille qui mal, c'est exactement ça zanmi Job yo te vin fait. Et des fois c'est yo sincère, yo pas fait dans l'idée pour yo craso, yo vraiment vle aider, sauf que yo pas connaît ça la parole de Dieu enseignée. Et ou même qui campait sur la parole de Dieu se repère ou qu'on est ou a servi un bon Dieu capable et fidèle ou qu'a campé pour dire oui je sais en qui j'ai cru bon Dieu m'a servi en moi connais li c'est un Dieu qui capable et me connais qui est dans qui est moi crois. Bien-aimé, question marcher dans l'intégrité avec Christ, marcher sur la voie de l'intégrité. Nous pas jamais qu'à fin saisir si nous pas garder l'exemple de Christ. Le premier exemple, celui qui a marché dans l'intégrité est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était tenté dans tout aspect que nous-mêmes nous qu'a tenté jodia. Le diable était tenté à travers le pouvoir, il t'a offert le pouvoir. Qu'on ait pouvoir c'est une bagarre qui fait monde faire en pile mauvaise route, en pile route crochue. Le diable était tenté le Seigneur Jésus à travers l'avoir, ça le cas possédé. Il était tenté de le dire, il fait rechantourner pain. Et il était tenté à travers la gloire, popularité pour mon well, pour mon faire connaître lui-même qui pis populaire. Mais Jésus t'est marché dans l'intégrité. Parce qu'il te connaît, il vient faire un travail. Il était venu pour faire un travail spécial. Et il pas voulait en rien détourner de soumission à bon Dieu papa. Notre Seigneur a tracé l'exemple d'intégrité. Et parce que jodiant moi-même avec ou Christ a vivre dans nous, nous capables vivre dans l'intégrité bien-aimé. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre tant qu'un monde qui connaît Christ. C'est vivre une vie qui conforme à la parole bon Dieu, c'est efforcer nous chaque jour pour nous sembler plus avec Christ. Si mon cantique moi remet dans chant d'espérance là, c'est le cantique ça qui dit sembler Jésus, c'est des hymnes. Le moins seul ou parmi moun, sembler Jésus dans toute vie, moins vlé, sembler Jésus. Sembler Jésus le sa bon, sembler Jésus le sa pas bon. Si lui-même qui te boivait, il te fait face à toute souffrance sa yo, c'est pour nous dire dans tête nous bien-aimés, n'a fait face à souffrance. N'a fait face à souffrance. Et là, pas camper devant pour me dire souffrance non facile. Même dire pas oublier, c'est la voie. Le Seigneur a tracé pour nous cette voie.
n'a fait face à souffrance. Pas quitter monde détourner nous de lutte là. Le calamité au vini, pas quitter quel monde cap vini dit nous. C'est parce qu'on te font bagaille qui mal. On seul bagaille pour préoccuper ou. On seul bagaille pour make sure ou fait. Relation avec le Seigneur. Pour son relation intègre. Pour pas faire route ni à droite ni à gauche. Pour pas n'en vous regarder. Pour pas n'en attendre. Ou pas voyer ou pas praler. Marcher droite dans le droit chemin. M'a quitté nous là, bien-aimé. T'as aimé partager avec nous quelques versets. Dans 2 Corinthiens 4, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous pas altérer, nous pas courons parole bon Dieu a. Nous baillons la parole de Dieu Jean lié. Apôtre Paul a dit, ça nous voyons, c'est ça qu'a fait. Pas gain foubri, pas gain astuce, pas gain bagaille qu'a fait en battable. N'a servi bon Dieu fidèlement. 2 Corinthiens 4, verset 2. Bon, l'autre côté, dans 2 Corinthiens 7, verset 2, l'apôtre l'en dit, bon moyen place dans que nous, parce que nous pas fait tort à personne, nous pas ruiner personne, nous pas prendre avantage sous personne. Ça, c'est l'évangile d'intégrité, ma palo là. Au monde qui kembe ferme, qui pas essayer jouer monde, déjouer monde, prendre avantage sous monde. Et qu'on verset qu'on est nous remet, et m'a partagé la avec nous, Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Méditez sur parole, ça y est, bien-aimé. M'a fini avec même point de commencer pour m'encourager nous. La vie nous-mêmes, mon pas Christian, il gagne un sens. Chaque jour, bon Dieu, nous, n'a vivli pour la gloire de Dieu. Tout ça n'a fait pour la gloire de Dieu. Parce que nous connaît, c'est bon Dieu qui met la vie à. En y est pas qu'arrivé, mon pas Christian, si Christ pas décidé. Donc chaque jour, nous joignons son opportunité en plus, Libanou, pour nous vivre pour lui. Pour nous marcher dans l'intégrité avec lui. Pour nous refléter gloire, les souhaiter ça. Et le jour on va arriver pour le prendre nous, et bien a dit avec gloire, Seigneur, nous te travaillons, mais nous venons en présence sous, et la recevoir nous dans main. Soyez encouragés, bien-aimés. Marchez dans l'intégrité sur la voie du Seigneur. Et que cette parole vous encourage en ce soir. Que Dieu vous bénisse. On nous fait prière, bien-aimés, pour demander bon Dieu, pour l'aider nous dans marche ça. Notre Dieu, notre Père. Seigneur, oui. Nous voulons, Seigneur Dieu, suivez-vous sur la voie de l'intégrité. Il n'est pas facile. Il y a un pile bagaille qui voulait distraire nous, détourner attention nous. Mes yeux, nous, Seigneur Dieu, étaient sous vous. Ou te montrer nous la voie de l'intégrité. Nous ne pas quitter qu'un monde qui a joué dans l'esprit nous. Monde qui par contre n'est pas relou. Monde qui par comprendre profondeur, Seigneur Dieu, relation nous avec vous. Qu'a fait nous comprendre le problème vini. C'est parce que nous faisons bagaille n'a payé. Nous connaissons qui est nous croit. Nous connaissons qui bon Dieu n'a servi. Et quelle que soit calamité, pas grand-rien qu'a fait nous dévier. N'a prêté ferme sur le roc solide, sachant que tu as le plein pouvoir. Pas grand-rien pas qu'a fait. Souvelez délivrer nous, nos fractions de secondes, ou même pas même besoin de parler, de pour gagner intention fait l'an, la vini en réalité. Mais si tu as décidé pas faire le Seigneur, eh bien que toute la gloire te revienne. Vie nous pour vous, pas grand cap détourner nous. Que l'on vive ou que l'on meure, n'a pas vivre pour vous, Seigneur. N'a pas compter vie nous pour vous. Permette, Seigneur Dieu, nous vivre vie intégrité nous chaque jour en tant que chrétien. Nous connaissons le monde là, Seigneur Dieu, les bagailles difficiles qui passent là-dedans. En plus, les bagailles nous pas comprendre. Et selon ça, me comprendre, Seigneur Dieu, les bagailles n'ont pas vu plus bon. Mais, assurance nous gagnons, ça qui passe dans le monde là, n'ont pas gagné aucun effet sur nous. Tant que nous étions dans l'intégrité, Seigneur Dieu, nous marchons avec vous. Et c'est ça que nous demandons pour aider nos faits. Conduis le cœur nous, conduis l'esprit nous. Touchez au monde, Seigneur Dieu, dans le moment ça, qui besoin qu'on ait paix, qui besoin de la joie, qui besoin dans le monde troublé, Seigneur Dieu, qu'on assurance que vous-même vous là, Seigneur. Touchez le monde ça, soyez.
et que à partir de demain, les lever, Seigneur Dieu, avec un chant de l'orange, un chant de paix, un chant de joie, parce qu'on va toucher le Seigneur Dieu à travers cette nuit. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.